Eh bien salut, c'est Agi, j'espère que tu vas bien, moi ça va super. Et donc on se retrouve pour l'épisode 10 de Pikmin 3. Donc on se situe au jour 12 et on va atterrir dans cette zone. Puisque dans le dernier épisode, on a pu remarquer qu'il y avait un objet mystérieux au centre d'une... Au centre d'une map, d'une plateforme. Enfin c'était pas vraiment une plateforme, c'était du sable. Enfin. Alors je suis aussi désolé pour le petit bug qu'il y a eu. Il y a eu un petit décalage et je sais de quoi ça provient. En fait, mon micro, apparemment, il s'est coupé un moment, bon, tout seul, je sais pas comment ça se fait. Et il s'est remis, mais un petit peu plus tard, et du coup, ça a fait que ça a décalé. On va prendre deux chaque, 33. Et les jaunes, 34. Ok. Alors, une petite zone comme ça, où la map était vraiment centrée, et qu'il y avait un truc vraiment au milieu, je suis sûr qu'il y a un boss dedans. C'est comme pour les Pikmin jaunes. Si tu te rappelles, il y en a eu un boss où il fallait utiliser Pikmin jaune. Donc ici, la particularité de cette map, c'est les bombes de roc. Donc, je présume qu'il faut utiliser les bombes de roc. Je pense, hein. Si mon intuition est bonne, bah tant mieux. Parce que j'ai eu un petit peu l'habitude de Pikmin avec Pikmin 1 et Pikmin 2. Donc ça se trouve, ils vont nous faire cette... Ils vont nous faire aussi cette chose-là dans ce Pikmin. Ok. Santé. Merci. Donc il y en avait autre part, je sais plus où, je crois qu'il y en avait là-haut. Je préfère, on sait jamais. Si vraiment il utilise de ce stratagème, ça serait pas mal. Allez, toi tu crèves. Et toi aussi. Les Pikmin Rocks sont assez chiants, ils mettent je sais pas combien de temps pour se relever, du coup quand on les appelle, ça les rappelle pas tout de suite. 32. Il en manque un là. Encore un séparé, je sais pas où. Je pense aussi un peu gonflé ce truc là. Ah, tiens. Ce qui rendra beaucoup plus rapide. À chaque fois, pour moi, ça réapparaît, donc ça peut être pas mal. Voilà. Voilà, ça. On va prendre aussi. Ah, je sais pourquoi il me dit 32 Pikmin de roc. C'est parce qu'il y en a un qui part une bombe. Voilà, il y en a juste un là. Celui-là. Plus là. Voilà pourquoi. Allez! Ramenez-moi tout ça. C'est parfait. C'est bon, j'ai mes 100. Donc, c'est par où déjà? Je crois que c'était près du drac. Si tu te rappelles, on avait fait tomber une petite plateforme qui nous permettait de monter. Dégage-toi. Alors attention aussi des fois parce que les Pikmin ne suivent pas tout le temps. Ça arrive genre, ils se bloquent dans un coin, un truc comme ça. C'est pour ça en fait que je perds des Pikmin. Sont pas assez rapides. Là, il en reste un en deux en fait. Il y en a un qui suit pas. Petit attardé qui a du mal. Ah bah voilà, c'est juste là. Oh, bah, c'est parfait. Youhou. Dépêche. Merci. Hop, je remonte un petit peu mon micro. Voilà, normalement on devrait mieux m'entendre. Allez, on retourne dans cette zone là-haut. Et je suis sûr qu'il y a un boss. Donc j'ai 3 nectars pimentés. Ça va être pas mal. Oh, un téléphone portable. La source du signal à Evan est donc de là. Ces ondes sont vraiment puissantes. Emmenons tout ça au track pour analyse. Ça pourrait nous être utile. Yep, monsieur. Bon, là, vous n'allez pas assez loin. Bon, le curseur va très très loin, mais ils ne vont pas assez loin. Ok, bon, une petite cinématique. C'est le boss. Obligé. Oh putain. Oh, une jolie murène. Tiens, la bouche. Je suis sûr qu'il faut jeter les bombes droites dedans. Donc, on va préparer les bombes. Déjà, ça me les a placés tout seul. Donc, Hop, dégage-toi!
Suicide. Je suis sûr qu'il va, il va sortir et on va le booster avant. Tiens, je m'en doutais. À l'attaque. Ah, y en a, ils ont pris cher derrière. Allez, 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 allez. Ok, revenez. Revenez tous. Et on en a mangé un. Il a dû exploser. Ah, il sort. Ok, on jette nos Pikmin. Oh, on l'a sorti, c'est bon. Attaque. Oh. Qu'ils se sont fait, ces fous. Ils sont explosés avec les bombes de rock. Mais ils sont tarés. Ils sont stupides. Go. Ah, ils arrivent pas à monter par contre. Hein. Alors là, je sais pas du tout ce qui s'est passé, mais ils ont tout explosé. J'ai plus de rock en plus. Ah, il y a des trucs sur les côtés là-haut. Peut-être qu'on peut aller les chercher là-haut. Je vais essayer d'en avoir. Allez, go! Ouh! Go! Ok. Je crois qu'ils en ont sorti un. Non, il me sort des vieilles notes. Ok, qu'est-ce que ça dit? Si vous avez une bombe, vous avez de la chance, vous avez une chance de le toucher quand elle aspire. Ouais, ça je m'en doutais. Alors faire gaffe. Là j'ai plus de bombe de requin. Ouais, j'ai plus rien. Alors on va y aller doucement. On va attendre qu'il sorte. Ok, il refait un trou. Ouh. Ils sont cons de se suicider. Putain, c'est débile quoi. Hop, on boost. On va être bon ça. Allez, sors, 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 sors. Faut attendre de le faire sortir. Revenez là mes petits Pikmin. Revenez là mes petits troufions. Allez, ressort par là. Ok. Allez, retourne vite là. Par contre j'ai plus de monde de rock, ça, ça c'était vraiment utile, hein. Ça le sortait direct. Revenez là. Revenez. Ne vous trucidez pas. Il y en a là-haut aussi. Prendre les Pikmin jaunes. Ouais, il sort. Allez, 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 allez. Sortez-moi ce gros-là. Ok. On va se bouger d'ici. Et s'il fait un trou, je suis mal barré. Revenez là. Et il m'en a mangé. Revenez. Reviens là, toi. Il en reste plus que 50. Waouh. Bon, ce boss c'est pas difficile en soi. Hein. Mais ces cons se sont explosés avec des bombes de rock. Quoi. C'est stupide. Revenez. Voilà. Ah, on a attrapé un l'enfoiré, j'avais pas vu. Allez, sors d'ici, enfoiré. Ya! Allez, attaque! Ok. Il est sorti.
Casse-toi. J'ai un mauvais pressentiment. Reviens. Revenez. Putain. Oh my god. Ça s'appelle le monstre dans Star Wars. Ça ressemble aussi au Kezu de Monster Hunter. Ouh. Putain, mais il est taré ce boss. Viens là toi. Reste pas tout seul. Allez. Attaque. Ok. Alors, on les rappelle. Et on le fait foncer. Allez, bientôt fini. Une dernière fois. Oula. Ce sera pas la dernière fois. Revenez là. On va faire un trou là. Non. Lui on peut le rappeler sinon il va tomber dans le trou. Attends, peut-être en passant par là. Reviens. Ouais, elle est tombée. Le pauvre. Je l'ai appelé. Ah si, il est là. Oh putain. Allez. Allez, on nique. Allez. Putain. On arrive déjà à la fin de la journée là. Il va falloir ramener l'engin avant. J'espère que je pourrai l'amener avant. On va prendre les pigments rouges. Sors. Sors, sale merde. Il y a un autre cratère. Bon, tant pis s'il y avait des bombes de roc dedans. Oui. Allez. Yeah. Oh putain. Oh, Charlie, comment il tremble. Wow. Une pastèque. Ok, vite, on va ramener tout ça. Allez, ramenez. Non, lâchez-le. 20 ici. Les melons. Faut 8 ici. Il y en a beaucoup à ramener. Hein. Genre pas assez de Pikmin. Toi tu restes ici. Hop. J'essaie d'aller chercher des Pikmin vite fait. Et on va les suivre en même temps. Ok, de toute façon c'est pas très loin. Je pense que j'aurai le temps. Allez. Voilà. Pas rester trop éloigné de nos Pikmin aussi. Ah non, j'aurai pas le temps. Au moins, ramenez le portable, s'il vous plaît. C'est bon, ils auront le temps, je pense. Récupération encore, visite, c'est bon, on a le temps. Il y a un message du track. Ah, c'est bête quand même, mes Pikmin se sont explosés la gueule, hein, ça j'aurais pu aller plus vite. Analyse du bidule récupéré. Du bidule. Mange minute articulé. Bidulotron égale terminal de communication indigène antique.
force du signal ultra puissante. Envoie actuellement signaux. Donc je pense qu'on aura accès à une nouvelle zone. Ah, je peux faire tourner le portable. Si j'intègre cet appareil au Drax, ça devrait augmenter la force de notre signal. Ça va sûrement me prendre toute la nuit, mais ça vaut le coup. Les autres Pikmin. Voilà. Zéro abandonné, je vais rester ici. Ok. Ouh. J'ai perdu combien de Pikmin là dans le suicide? 50 ou je crois. Enfin, j'en ai perdu pas mal. Hein. Est-ce que j'en ai oublié? J'en ai oublié aucun. Ok. Ouh, cette journée. Un truc de ouf. Faire gaffe au bon rock, hein. Ne pas s'exploser la gueule avec, hein. Ça peut faire de lourds dégâts. Mais je sais pas comment ça leur est arrivé en fait. Je crois que quand le monstre il est retombé, il les a poussés, ça a dû lâcher les bombes. Oh, nous avons rien récolté de mangeable aujourd'hui. Et voilà la récompense d'une longue journée d'efforts. On ramènera tout ça plus tard, hein, c'est bon. C'est pas le plus important. En plus, on aura accès à une nouvelle zone, donc on ira à la prochaine zone pour le prochain épisode. Avec tout ce qu'on a, on devra encore pouvoir tenir un moment. Voilà, justement, on peut tenir un moment, donc il faut besoin de les chercher. Ok. Grosse explosion là, c'est sûr. Grosse descente. Ils sont tarés. Oh, comment on change. Nous avons pu récupérer le terminal de communication que la créature géante avait avalé. Alf, mon subordonné, va travailler toute la nuit pour intégrer les récepteurs au système de communication du Drake. Les créatures géantes de cette planète ont la sale manie d'avaler tout ce qu'elles trouvent. Et je sais de quoi je parle, diantre, j'ai plus de place pour écrire. Ok. Ça, il y a des petites pointes de touche d'humour, c'est pas mal. Regarde en cours. Regarde, effectué. Voilà, je suis sûr qu'on se tapait une discute. Exploration, jour 13, qu'on verra dans l'épisode 11. Alors, une nouvelle zone. Oh. Rivière du destin. Encore une zone avec de l'eau. Peut-être là qu'on découvrira les Pikmin bleus. Regardez, nous recevons un signal émanant de cette zone-ci. Nous avons eu marre, c'est très libris, original, la planète Crocotan. Eh, hey, ça fait aucun doute, c'est lui qui possède la clé suprême unique. Voilà qui est préoccupant, il risque... Coin coin, de vouloir nous shipper, enfin j'ai vu le canard. Précieuse nourriture. Nous en ferons pas, chère Brittany. Quoi qu'il arrive, je serai là pour te... On est juste... Splendide, dépêchons-nous de nous rendre sur place. Ok, bah j'espère que t'auras apprécié cet épisode. Et puis je te dis à la prochaine pour l'épisode 11 de Pikmin 3. Donc sur ce, porte-toi bien et à la prochaine. Salut! N'oublie pas à mettre le petit j'aime si tu as aimé la vidéo, à partager aussi cette vidéo et à commenter, ça me fera extrêmement plaisir.